Ouais, elle est chic. Fabuleuse. Elle est assez solide. Je crois qu'elle est un peu genre et tout. Voilà comment elle se tient. Elle a une ligne de tige un peu plus correcte. Marchez ou pas, s'il vous plaît. Sans détailler le pédigré pour l'instant, mais petite remarque, cette jument est issue d'une famille qui est depuis longtemps dans les mains de son éleveur. Voire très longtemps. Et qui, avec un étalon, on va dire, à QBS à l'époque, a créé une famille à QBS que vous avez aujourd'hui devant vous. Sinon, avant, c'était toute une famille pure sang, d'ailleurs, une branche aujourd'hui qui s'illustre très, très, au très haut niveau. Vous la lâchez au trot. Donc, vous longez la lisse plutôt à main droite, là. Dans la famille, vous avez donc deux étalons. Vous avez, on parlerait tout à l'heure, du côté de la souche pure sang, vous avez donc un étalon de bon niveau, de très bon niveau, d'officier pas loin de chez nous. Et vous avez l'un des aïeux de cette jument, qui est un étalon celle française, enfin AQPS pour nous, qui a donné cette souche dans cette jument. Elle billarde un peu. Ah ouais, elle billarde. Si vous pouvez, en... C'est un deuxième tour. En courant en courant plus vite. Elle est sur le pied d'une 12. Elle est cagneuse aussi, la lade. La lade, c'est pas merde. Elle est assez tenue, là. Elle est souple dans sa locomotion. Faut pas regarder, allez, faut pas regarder les roues. Reste trop. Reste trop, cacote. Bon, allez, je vais. Dessus, chic, dessus, garrot d'Orin, tête, œil, elle a une belle...